On est en pleine maturité, là, c'est bon. Là, il est mûr, là. Il est bon. Il est temps de le faire et moi, je propose de le ramasser dès demain matin. On peut le faire à la machine demain matin. Dans la, à la main. Moi, je crois. Hein. Parce qu'il y a un petit peu de pourri, mais très, très peu. C'est pas plus mauvais. Donc, il faut, ce qui veut dire qu'on est juste à bonne. Bon, quand c'est trop feuillu, on a la pourriture un peu plus, mais autrement, toutes les grappes sont très saines. C'est bien ça, ça va être demain, ça va être très bien. Dis donc, elles sont drôlement. Ah, elles sont très, très. Elles sont dures, là. C'est très attachées sur la. C'est pas possible ça. Je crois qu'on le comparer à l'année dernière. Ah, oui, oui. Je pense qu'il faut pas mettre la machine là-dedans. Enfin, j'attendais justement que tu viennes pour faire le choix. Ah, non. Et le notre alors, vieux blanc qu'on a super sélectionné au niveau grappe, c'est celui-ci. Voir, on y a passé tomber. Un temps fou. Alors, faut pas juger sur les premières souches parce qu'elles n'ont plus de feuilles. Et ça, c'est le qui a tout grillé. Hein. Ah, oui. Ça, elles ont été vraiment brûlées, massacrées par le soleil, mais le reste est loin d'être mûr. Ça, ça va être ramassé. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse des tris successives dans cette parcelle-là. Ça vaudra le coup parce qu'on a quand même une vendange très saine. Voilà, donc on a des grappes à tout petits grains qui vont mûrir beaucoup plus vite que les autres. Ce qui veut dire que dans une dizaine de jours, il faudra ramasser celle-ci et laisser l'autre qui est derrière, qui est encore toute verte. Ça, des petits grains, là. Mmh. Ça, et ça doit faire un degré d'alcool assez ça, c'est important. Extraordinaire, ça. On va le savoir tout de suite. Je vais chercher mon réfractomètre. Alors ça, c'est le... on va le faire sur le petit. Alors l'appareil est tout simple. On écrase juste un grain dessus pour... On referme. Et on regarde. Ah dis donc, il est à 14... C'est dingue. 14 passés. Regarde. Ah oui, 14 passés. 14,5. Ah oui, 14,5. Voilà. Alors ça, on ne va pas le ramasser de toute façon avant 15 jours, ce qui veut dire que si le temps le permet, on va encore récupérer au moins 1,5 degré. Alors ton mouchoir, je vais essayer, puis je vais essayer de voir le... Je vais essayer un autre. 1,5 degré à 2 degrés d'alcool. On va encore tourner à 16 degrés. Enfin, je vais voir le Sauvignon. On va aller voir le Sauvignon. C'est pas vrai. 14. Oui. Sauvignon, 14 oui. Ah non. Il est à 13. Il n'était pas très mûr celui-là-ci. Ah bah c'est pas encore très mûr, hein, les cabernets. Ça sont encore au moins 10-15 jours. C'est pas possible. On l'avait bien nettoyé le machin, t'es sûr que c'est 14. 14. Non, on peut voir, c'est peut-être pas on va recommencer un autre, oui. Pas possible. Ah merde. Bah, 14,5. Non. Ah oui, merde. Ça va être surprenant, ça encore, merde. Ah bah ça, j'en reviens pas. J'ose pas te dire. Ah non, c'est de la folie, hein. Rien que l'odeur, ça va nous suffire cette année. Et c'est pire que l'an dernier. Alors, 15 degrés. Voilà, c'est frais, ça. Tu vois, les grappes, là, elles viennent toutes seules. Là, vous n'avez rien vendangé encore, ça commence lundi, donc, non. Oui. Mais oui. C'est prêt à vendanger ou pas? Ça y est, c'est prêt à vendanger. Pas tout. Pas tout. Bon, c'est prêt. On a trois cépages principaux qui ont, heureusement, des maturités un petit peu décalées, ce qui permet d'attaquer d'abord par des, par des gros lots, de suivre avec des cabernets et de terminer avec des chenins. Les vendanges vont durer combien de temps? Je pense, si le temps nous le permet, de les faire durer le plus longtemps possible. C'est pas pour le plaisir des vendanges, mais c'est pour attendre la maturité finale, notamment d'un certain cépage, le chenin, et d'une certaine partie du vignoble, les Mayonnes, où on va pouvoir, cette année, faire des tris successives. Ah, vous voulez dire que vous allez vendanger en plusieurs fois? Ah oui, sûrement, ah oui. Ouais, ouais. Comment ah oui. Tu vas couper ce qui est mûr, voilà, enfin, comme si vous vendangiez voilà, en sauterne, en fait. Parfait, tout à fait. Parfait, tout à fait. C'est-à-dire qu'on va avoir, comme on est dans une
C'est vrai qu'il y a des grappes qui sont moins mûres que d'autres. On va faire deux passages. Mais voilà. Le vin, c'est une responsabilité que tu partages avec personne. C'est toi qui décides. Oui, c'est vrai. Oui. Ben, on décide ensemble parce que c'est une famille. Et c'est vrai que les vignerons, c'est un peu comme des compagnons. Tu sais, quand on arrive dans une vigne avant la vendange, pour décider qu'on va ou pas vendanger, ou qu'on regarde les choses, c'est un peu comme un acteur qui juste tourne autour, avant la générale ou même avant la couturière, se dit, tiens, occupe un peu le plateau tout seul pendant que les gens s'installent, tu vois. Et puis le rideau se lève et là, les tailleurs rentrent. Quand tu as affaire à des éléments aussi forts que la terre, l'eau, le soleil, on veut dire, tu te fais tout petit. Tu n'as rien à... C'est un peu comme de marcher dans le désert. Si tu vas contre le désert, tu grilles. Mais si tu es avec lui, tu vis les plus beaux moments de ta vie.